veiligheidsomgeving die is permanent in evolutie. En dat betekent dat we vooral oog moeten hebben voor de trends op lange termijn. En we hebben de voorbije jaren een meerdimensionale trendbreuk meegemaakt. Die bestaat eigenlijk uit drie onderdelen. Eén, de terugkeer van Rusland als geopolitieke bedreiging voor het Europese continent. Ten tweede, het oplaaien van een meer rivaliserende relatie tussen de Verenigde Staten en China, wat wereldwijde gevolgen heeft. En het derde element is dat de bandbreedte van de Verenigde Staten om de veiligheid van Europese bondgenoten quasi alleen te garanderen, die brokkelt af. In die context bestaat de voornaamste uitdaging voor België erin om eigenlijk van mindset te wisselen en met name vrede niet langer als iets vanzelfsprekend te beschouwen. Daarom wachten er de Belgische defensie eigenlijk drie grote uitdagingen. Op korte termijn bestaat de eerste uitdaging erin om de paraatstelling voor de belangrijkste kerntaak, namelijk collectieve verdediging, verder op te schroeven. De tweede uitdaging die bestaat erin om het personeelsbestand van Defensie op een duurzaam groeipad te brengen. Een derde uitdaging bestaat erin om de verankering van de Belgische Defensie in de bredere samenleving te verstevigen, omdat we uiteindelijk onze nationale veiligheid maar kunnen realiseren vanuit het idee dat we allemaal in dezelfde boot zitten. La défense garantit la sécurité de notre pays et protège les intérêts belges à l'étranger. Nos militaires sont particulièrement connus pour leurs interventions à l'international, souvent en coopération avec d'autres pays de l'OTAN ou des partenaires européens. Mais chez nous aussi, l'armée est au service de la population. Nous avons un rôle important à jouer dans la sécurité de notre propre pays. Les crises que nous avons connues en Belgique les 5-6 dernières années n'en sont qu'une illustration. Les militaires qui ont été déployés dans les rues de Bruxelles ou d'Anvers suite aux attentats de Bruxelles en 2016, par exemple. Ici, durant la crise de Covid, nous avons été très actifs dans beaucoup de domaines et entre autres aussi dans la vaccination. Et pour certaines tâches très spécifiques, nous avons des moyens, comme par exemple les hélicoptères qui font le search and rescue au-dessus de la mer du Nord, les patrouilleurs de la marine qui font des patrouilles également en mer, mais également le service de déminage qui se déploie pratiquement tous les jours sur le territoire national. Comme d'autres organisations et entreprises, l'armée doit s'adapter à des circonstances qui évoluent rapidement. La recherche et l'innovation sont une priorité de la stratégie de la défense. Le monde évolue tellement vite que nous devons avoir la capacité de nous adapter très rapidement. Et je pense que le mot-clé dans cet environnement, c'est l'agilité. Et nous essayons, grâce à des coopérations avec l'industrie, avec le monde académique, de développer, je vais dire, la pensée créative ou la créativité de notre organisation. Et cette créativité, cette agilité nous permet justement de trouver des solutions adéquates aux problèmes auxquels on est confronté et qui sont toujours spécifiques. C'est un win-win pour tout le monde. Et d'autre part, en interne également, nous essayons de développer cette pensée créative. Innovation is a mindset. Et cette mindset, il faut le développer également parmi nos propres personnels. Et ça crée une dynamique où également notre organisation continue de se développer et essaye d'être la plus agile possible face à l'évolution de notre monde. Pour remplir toutes ses missions, la Défense a besoin de nouveaux profils. Elle recrute des militaires, des civils et des réservistes. Nous recherchons annuellement plus ou moins 400-500 profils techniques de tout niveau et de tout, dans tous les domaines. Ça peut aller du mécanicien de voiture jusqu'à l'ingénieur civil en électromécanique. Nous pouvons également trouver des civils qui ont des compétences particulières dans le monde de la communication, des systèmes de communication ou du cyber. Donc nous recherchons tout ce genre de profils et c'est très très varié.